Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour, bonjour. Oh, je stresse, je sais pas pourquoi, c'est terrible. Julien, le premier à l'affût. Comment tu vas? Bienvenue sur le stream. Coucou, Liu, Liu. Bienvenue sur le stream, j'ai vu que t'avais follow tout à l'heure, du coup t'as fait atteindre l'objectif de followers. Merci beaucoup. J'espère que j'ai bien dit ton pseudo. J'ai vraiment du mal avec les pseudos des gens. U comme la lettre. Ok, Liu. Coucou Zéro. Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu t'es pas censé dormir. J'espère que vous allez bien. Et que vous êtes déter à commencer cette aventure de Final Fantasy XIV. Enfin! J'étais à l'affût là. Ouais, non mais grave mec. T'es grave à l'affût. GG, GG. Bon, je vais essayer un petit peu de me réveiller parce que c'était une journée fatigante. Et du coup, je vais essayer d'être un peu plus d'aplomb. Hein. Ça va être compliqué, mais on va essayer d'être là. Je sais pas pourquoi ma VTubeuse, elle ouvre les yeux bizarrement. Elle aussi, elle doit être fatiguée ou je sais pas. Mon avatar, il est chelou. Trop bizarre, trop bizarre. Bon, vous avez passé une bonne journée? Tout s'est bien passé pour vous. Attendez, parce que mon gestionnaire de stream ne se met pas du tout à jour. Ça veut dire que je vois pas du tout vos messages. Je suis pas restée longtemps, mais je viens faire un coucou. Mais c'est super gentil, merci. Crois, ça va aller, tu vas dégommer sur FF. Bon, on verra en vrai. FF14, j'ai rien regardé. J'ai absolument jamais joué. J'ai juste créé mon perso à l'avance. Parce que je savais que j'allais mettre 3 ans et demi en stream. Chose que j'ai mis du coup en off. J'ai mis 3 ans et demi. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Mais du coup, depuis la dernière fois que j'ai live, c'est-à-dire samedi, si je dis pas de conneries, on a eu beaucoup trop de follow. On s'est pris 10 followers. Du coup, je vais remercier tout le monde. Je sais pas s'ils sont là, mais je vais remercier Neki, Kirito Del, Juju, Shiyomi et Kiyoshi et bien sûr Liyu. Ils ont full follow la chaîne, j'ai pas compris pourquoi je streamais pas, mais du coup merci beaucoup. Sinon, pour répondre à Dada, ma journée était ennuyeuse. Ah. Ah là là, non. Non, mais bah, il y a des jours comme ça au travail où il n'y a rien, y a rien à faire. Hein. Ça arrive. Ça arrive, ça arrive. C'est les choses de la vie, comme on dit. Et c'est pas très grave en soi, ça fait une petite journée repos entre guillemets. Mais voilà, donc on souhaite beaucoup de rétablissement à zéro. On lui fait de gros 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 bisous. Et on espère que tu as passé une bonne nuit. Heureusement, tu as fait le perso avant. Alors, moi je mets une plombe à créer un perso. Et je t'ai follow depuis quasiment le début. Ouais, c'est un autre Julien qui m'a follow, t'inquiète. Et oui, moi, je mets toujours 3 plombes et demie à créer mon personnage, c'est terrible. Mais je sais pas pourquoi. Attendez, Viciface, il capte pas que j'ai les yeux ouverts. Je sais pas, pourtant j'ai les yeux ouverts, tu vois. Et j'ai l'impression, mes 3 plombes à cligner des yeux, mon avatar. Ahurissant. Enfin, bref. Ouais, bah du coup, oui, j'ai créé la perso avant. Parce que vraiment, je vous cache pas que j'ai mis très très longtemps à me décider sur la coupe de cheveux, etc. Genre, c'était infâme. J'ai mis 3 milliards d'années, c'est terrible. C'est terrible, c'est terrible. Hop. Est-ce qu'on démarre tout de suite le jeu? Est-ce que vous êtes chaud patate? Moi, je vous laisse. Bon stream, peut-être à demain. Bisous à Zéro, repose-toi bien. Et à demain, sûrement. T'as intérêt à être là demain. L'éclairage et les cheveux sur le front empêchent un bon tracking, même les yeux, à l'expérience personnelle. Ah, c'est parce que je suis dans le noir, attendez. Oh, j'ai oublié d'allumer ma light, je suis trop con. Neki! T'es trop chaud! Merci pour le raid, merci beaucoup! Putain, ça commence. Ça commence bien. Merci beaucoup pour ton raid. Comment ça a été ta fin de stream? Bienvenue Taku! Bienvenue chez les tortues! Merci beaucoup pour ton follow!
Attendez, j'ai un truc spécial pour Nikki. Wampomp! Voilà. Je laisse en l'heure et je vais me faire à manger. Ça marche? Bon appétit! Bon appétit! J'ai même pas eu le temps de commencer à jouer, c'est déjà le bordel! Wampomp! Ah là là, merci beaucoup pour ton raid, Nikki, ça fait plaisir. Merci, merci. Je suis un peu stressée, j'avoue, là. Je me sens pas super bien. J'avoue que je suis fatiguée, j'ai mal aux yeux. En même temps, Beat Saber avec Osu. Bon. Merci beaucoup pour ton follow, Mai. Mai, je sais pas comment dire ton pseudo, je sais pas dire les pseudos, pardon. Bienvenue chez les tortues. Comment tu vas? Putain, mais. Ah, attendez, j'essaye de réguler mon BPM. Ça devrait aller. Mei en anglais. Du coup, c'est Mei? Je sais pas. En tout cas, bienvenue à toi et désolé si je j'écorche ton prénom, ton pseudo. Konnichiwa! Mais ça n'arrête pas. Merci, merci pour ton follow. Merci beaucoup. Bienvenue sur le stream. Mais stop! Attends, j'ai pas vu ton pseudo. J'ai pas vu le pseudo. Ça débute sur FF14, oui. Mais stop! Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Oui, c'est moi le VTuber Tortue. Bonjour. Mais stop! Ah, merci, merci, merci tout le monde. Je vais chialer. Arrêtez. Arrêtez. Mais stop! Merci beaucoup pour vos follow. Bonjour tout le monde. Merci, merci, merci. Ça fait trop plaisir. Franchement, vous me faites. Là, j'ai la pression de fou. Vous me faites trop, trop mal. Non, mais c'est trop. C'est trop, c'est trop. Arrêtez! Merci beaucoup, LD. Merci pour tout. C'est un petit raid de début de stream. Merci beaucoup, c'est trop mignon, merci. J'ai vu FF. Ah bah oui, FF, FF. Je commence. Enfin, je vais commencer. J'étais seulement en train de dire bonjour et là, ça part en couille. Je dis go et je débarque avec la famille. Non mais de fou. Coucou Chicoxy! Bienvenue, bienvenue tout le monde sur le stream. Du coup, si vous ne me connaissez pas, je suis Dae. Ou Dairi Zelda, voilà. Je suis une tortue et je suis stressée. J'espère que vous êtes contente de la description. Vous ne vous n'en aurez pas plus. Ça me fait trop bizarre. Là, franchement, merci beaucoup à tout le monde pour pour les follow. Je bégaye, c'est terrible, c'est terrible. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée, by the way, parce que faut pas stresser, bah. Quand même, quand même, quand même. Je me suis fait rafaler de follow, j'ai rien compris. Mais non! Non! Merci Elzy pour ton sub, merci beaucoup. Tu vas pouvoir utiliser les emotes, mais c'est incroyable. Merci beaucoup Eddie, mais t'es incroyable, vraiment, merci. Merci, merci. Bon, ça vous dit, on commence à jouer? Mais non! Merci Eldie d'avoir subgift Clo-Clo. Pas sur Vicify. Vicify s'appuie sur espace. Pourquoi? Il y a une croix qui me stresse. Ah! Pardon! Mais arrêtez! C'est bon, j'ai enlevé l'espace. Mais Eldie, mais t'es incroyable, Eldie! Merci beaucoup, merci beaucoup. Mais non! Merci, Juju. Non, mais vous là, vous êtes des cinglés. Il faut arrêter. Il faut arrêter tout de suite maintenant ce que vous êtes en train de faire. Vraiment, merci, merci, merci. Je peux pas lancer mon jeu en fait, vous avez pas décidé de me laisser jouer, c'est ça? Ah putain, bon. Merci beaucoup, merci. Non, non, non. Let's go, femme les followers. Coucou Shay! Go la spam, mais non!
Même pas, moi j'ai souffert sur Mario Kart 8 pour battre mon record de temps, mais quoi? Et tu l'as battu, j'espère. J'espère, hein. Vous êtes trop chou, vous êtes trop chou. Partie comme ça, ouais, allez à 100 follow, c'est clair. Moi les gars, vous êtes incroyables, merci beaucoup. Bon, du coup, est-ce qu'on se met à jouer? Est-ce que vous êtes chaud? Faut commencer l'aventure FF. Parce que moi j'ai hâte. Alors attendez, je coupe la musique. Là, je suis en train de trembler sa mère, donc j'espère que je vais pouvoir jouer. Bon, du coup, je vais dégager l'objectif de follow, il sert plus à rien. Faudra que je le mette à jour. Voilà. Alors, on va partir sur FF. Il faut que vous me dites si le son est bien. Oh là, il crie dans mes oreilles. Mais je vous jure, mon gestionnaire de stream ne se met pas à jour. C'est n'importe quoi. Attendez, je règle le gestionnaire de stream. Hop. Attendez, parce que je m'entends en double. C'est horrible. C'est horrible, c'est horrible, c'est horrible. Hop. Est-ce que vous entendez bien le jeu? Je repose mon leurre, du coup, ma belle, des bisous. Merci beaucoup, des gros bisous! Merci, merci. Mais qui a follow encore? Attendez! C'est qui? Je vois pas! Mais stop! Coucou! Bienvenue sur le stream! Merci beaucoup pour vos follow, j'arrive pas à lire vos. Non, mais là, il y a tout qui bug. Il y a tout qui bug de mon côté, j'arrive pas à voir. Merci beaucoup pour vos follow. Bonjour tout le monde, comment vous allez? Non mais stop! Je me fais mes full spam, vous êtes des fous malades, vous êtes des tarés. J'ai tout fait bug. Oui, t'as tout cassé, elle dit. Coucou Tully, bienvenue sur le stream. Attendez, j'essaye de réparer. Allez, c'est parti pour les 100. Ah, attendez, je vais tout en mettre. Merde! Désolé, non, t'inquiète, t'inquiète, y'a pas de soucis, y'a pas de soucis. Bon, du coup, ça se finira pas, mais non! Ça se finira jamais! Vous êtes des tarés, vous êtes des fous, vraiment. Merci beaucoup, ça fait trop plaisir. Ça fait trop plaisir et ça fait trop stresser aussi par la même occasion. Bon, alors, attendez, parce qu'il faut que j'essaye de pas casser ce que j'ai devant moi. Hop, ouais, attendez. Du coup, comment on fait pour commencer le jeu? Comment on fait pour démarrer le jeu? Salut! Coucou The Vault! Comment ça va? Allez ce soir, t'as 100 followers, nickel. Sur ce, je file défoncer Clo. Vas-y! Bon jeu sur FF, merci beaucoup! Bon, merci beaucoup, Eddie. On veut te soutenir. Ah, j'arrive plus à parler! Te soutenir! Merci beaucoup. Clique sur ton pseudo. Merci! Merci, je suis paniquée! Mais non, regarde, ça marche pas! Je suis sur mon pseudo! Attends, ah d'accord, celui-là! Elle est perdue. Oui. Je suis full perdue, les gars, je suis au bout de ma vie. Je suis full stressée. En haut à droite. Merci! Bon, du coup, on est dans la liste d'attente. Je m'en doutais. Elle dit Elda, cousin. Peut-être. On ne sait pas. On les a jamais vus au même endroit en même temps. Après, ça, je dis rien. Putain. Alors attendez, faut que je me calme. Je vais faire une séance de sophrologie en direct avec vous. Oui. T'inquiète, ça va aller. Oui, ça va aller. Vous êtes incroyablement gentil. Je n'ai pas du tout de doute là-dessus. Ça va le faire. Ça va le faire, ça va le faire. Bon, faudrait peut-être que le VTuber enfin, ouvre les yeux, quoi. Ça pourrait être cool. Alors attendez, faut que je règle la tablette parce que. Ah, ok, là je vous vois mieux. Attendez, je mets en sorte que le. Je sais pas parler. Que le chat, je le vois bien, comme ça, voilà. Oublie pas de respirer. Oui, c'est bon, je respire. En plus, l'air c'est gratuit, donc c'est pratique. C'est pratique, c'est pratique. Je vous ai même pas montré mon pseudo. Enfin, mon pseudo, mon perso. Bah voilà, vous voyez mon perso du coup là. Incroyable, elle est trop belle. Elle est trop trop belle. J'entends, j'entends. Je ressens, oui, le stress, oui.
fais mes expériences de sophrologie, c'est pour ça que mon VTuber a les yeux fermés. Ça me aussi. Oh là, j'ai eu peur. C'est gratuit pour le moment, mais oui. Je crois, elle est cassée. Elle ne sait plus quoi faire ou dire. Non, mais là, je suis perturbée, les gars. Je suis trop perturbée, la vérité. Tout ça en même temps, c'est compliqué de faire tout ça en même temps, non? Waouh, c'est trop bio. Bon, je vous avoue, le début, j'ai déjà vu un petit peu. Donc, voilà. Elle est trop belle. Youhou. Ça va aller, ne t'en fais pas. Oui, ça va aller. Ah, pugiliste. Ouais. Bah, j'ai trouvé la classe stylée, en vrai. Et ça allait bien avec mon style, entre guillemets. J'ai hésité avec mage et je sais plus quoi. Archer, je crois. Mais je me suis rappelé que j'étais nulle en archer dans tous les jeux que j'ai fait. Du coup, voilà. Voilà, voilà pourquoi j'ai pris cette classe. Hé ! Réveille-toi ! Oui, je me réveille ! Je me réveille, je me réveille. Je crois que mon VTuber a un problème de yeux. Vraiment, quand je lis... Attendez, je vais régler mon VTuber. Parce que quand je lis, le truc ferme les yeux. Moi, je veux pas qu'il ferme les yeux, en fait. Attendez, hop. Hop, hop, hop. On va dire que ça passe. Alors, par contre, tu verras, les armures sont trop belles. J'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. Par contre, il y a des moments où je vais pas pouvoir... Enfin, voir vos commentaires, enfin vos messages, parce que je sais pas pourquoi dans mon gestionnaire de stream il y a pas tout qui s'affiche, c'est un peu de la merde. Du coup bah je vous lis ou ouais, attendez. Est-ce que déjà vous entendez bien le son? Est-ce que déjà c'est assez fort? On va commencer par là, hein, c'est important. Est-ce que pour vous le son est good? J'ai pas de plainte, donc ça a l'air d'aller. Ok. yep, ok. Nice. Merci, merci, merci. Alors, attendez. Hop, voilà. Tu vas bien, ton sommeil a l'air plutôt agité, tu es tout en sueur, dis donc, c'est les heures, qui te montent à la tête. Il y en a beaucoup près des cités à cause des éthérites. Alors, de temps en temps, il y a des filles comme toi que ça... Enivre. Enivre, ouais, c'est ça. J'arrive plus à lire. Mais ne te fais pas de soucis, on s'y habitue vite. Il est beau! Non? Je suis la seule à le trouver stylé. L'éther. L'éther. Lait. Du lait. Mon dieu. Halte là! Oui. Oui, attends. Mais ils sont comment? Ils sont trop mignons! C'est trop mignon! Qu'est-ce que c'est? Silence. Allez vous autres, inspectez la diligence. Ouh. Inspectez la diligence. Allez-y. Je suis un honnête marchand, moi. Qu'est-ce que vous espérez trouver? La ferme. Ouf. Tiens ta langue ou je te la coupe. C'est pas sympa, ça. Faut dire bonjour, en fait, avant de faire quoi que ce soit. Enfin, c'est un peu du manque de respect. Enfin, après, voilà. Capitaine, j'ai trouvé du Somnus. Jure, comme la musique d'FF15. Incroyable. Honnête marchand, hein. Depuis quand les honnêtes marchands transportent des substances interdites? C'est pas bon ça, pas bon du tout. Tu risques la prison et pour longtemps. Mais je suis de bonne humeur aujourd'hui, si tu payes une amende, je te laisserai partir. Mais what the fuck? Voyez-vous ça? Quelle veine d'être tombé sur des hommes honorables. Wait, wait, wait. Qu'est-ce qui se passe? Wow! What the fuck? Les Amalja nous attaquent. Aux armes! Bah toi, Elda, t'es mignonne. Mon! Merci beaucoup! Merci, c'est trop gentil! Oh, ils sont pas beaux! Bon sang! Vous avez de la chance, filez! Oui! Allez, chais! Chais, comme dirait l'autre. Par contre, ils sont vraiment très moches.
C'est des grosses bébêtes, pas très jolies. Ton VTuber dort. Comment ça, il dort? Je suis en train de lire. Je peux pas dormir. Piouf, il y a vraiment des jours où on ferait mieux de se coucher. De rester couché. Ouais, non, mais je suis d'accord avec lui. Ces hommes font partie des lames de cuivre. Les gardiens Uldiens. Les plus honnêtes. Putain, j'arrive pas à lire, les gars. Les plus honnêtes demandent simplement un pot de vin raisonnable, mais certains d'entre eux ne valent pas mieux que des bandits. Les hommes bêtes sont arrivés au bon moment pour nous sauver la mise. Ah, mais c'est bizarre qu'il dort, mon VTuber, c'est quoi ce bordel? Tu as du cran, en tout cas, j'ai rarement vu quelqu'un rester aussi calme durant une attaque. Tu es une de ces aventurières. Oui, c'est moi. Il y a encore du chemin jusqu'à Ulda. Ulda ou Ulda? Faisons donc un brin de causette pour se tenir compagnie. Non, j'ai pas envie de te parler. Les petits jeunes, là, ils n'ont pas l'air de vouloir faire la conversation. Bah, tu les déranges, en fait. Y en a un qui rompiche, donc voilà, quoi. Mon nom est Brent, je suis un marchand ambulant. Coucou, le marchand ambulant. Moi, je suis Day. Et toi, tu vis d'aventure. Vu tes guenilles. Qu'est-ce que c'est que ce mot? Je dirais que tu es nouvelle dans la profession. Oui, je suis une noob. Ulda, ok. Son avatar lit, mais ses yeux se ferment. Pour Lick, c'est un peu normal, enfin, je crois. Ça arrive quand tu baisses trop la tête. Ça me fait pareil quand je dessine. Comme Elda. Non, mais c'est terrible que mon VTuber dort comme ça. Attendez, je vais régler ça après. Je le savais. Ah, on en voit beaucoup des comme toi, qui voyagent au gré du vent, en quête de fortune et de gloire. C'est exaltant, je n'en doute pas, tant qu'on peut éviter d'y laisser la peau. Après tout, la vie d'aventurier est dangereuse, ce n'est pas un secret. On a pas mal reconstruit dans le coin, mais les traces de guerre sont toujours visibles. Et ces derniers temps, de plus en plus de monstres rôdent dans la région. Il n'y a pas à dire, être aventurier, ce n'est pas de tout repos. Qu'est-ce qui t'attire dans ce métier? Ah, j'allais dire le danger, mais... la richesse! Il faut du fric, les gars. J'aime le fric. La fortune, hein, on en a tous rêvé à un moment ou à un autre, pas vrai? Quand tu sauras suffisamment te battre, va visiter une guilde d'artisans ou de récolteurs. Ulda est connue pour ses couturiers, ses alchimistes, ses orfèvres et ses mineurs. Le métier d'aventurier n'est pas seulement tuer tout ce qui bouge. Si tu maîtrises une discipline d'artisanat ou de récolte, ton rêve deviendra peut-être réalité. Oh. Mais n'oublie pas, il y a des choses plus importantes que la fortune ou la gloire, comme respirer. N'est-ce pas, Daï? Respirer, c'est important. La richesse de la moula. Oui, la moula. Tout ce que tu gagnes à mourir, c'est une tombe, et encore si tu en as les moyens. Mais il est perspicace, ce monsieur. Au fait, c'est la première fois que tu vas à Ulda. Ouais, ma gueule. C'est la première fois, hein. Ah oui, alors laisse-moi te filer quelques tuyaux. Mais arrête de me tenir la grappe, je veux pas te parler. Ulda est sans conteste le centre du commerce érosien. Elle est dirigée officiellement par une sultane. Wow, sultan, ma gueule. Mais le gouvernement est entre les mains des plus riches marchands de la ville. C'est la cause de dissension parmi ses citoyens. Putain, il met trop de paroles, hein, je sais pas lire moi. La fonction qui soutient la sultane se fait appeler sultaniste. Celle-ci soutient les marchands monétaristes. Ils se disputent le pouvoir depuis des années à coups de millions de guilles. Guilles ou gilles? Ulda est la cité la plus riche du continent et le véritable roi là-bas, c'est l'argent, le fric, la moula. Les Uldiens ont d'autres problèmes en dehors de la politique. La tribu barbare des Amalja, par exemple, est une menace permanente. Ouais, ce qu'on a vu tout à l'heure, quoi. Les vieux sont chiants autant dans la vie que dans les jeux. C'est incroyable. Ouais, de ouf. Comme guilde. La guilde. Entre nous, tout ça, c'est bon pour le commerce. On ne le crie pas sur tous les toits, mais le temps de crise sont une chance de se faire... de bons profits pour le fric. Le pognon. Ah, on y est. Voici Ulda, une oasis de prospérité et d'opportunité dans un désert impitoyable. J'allais dire incroyable aussi, peut-être. Je ne sais pas. On va voir à quoi ressemble Ulda. J'ai vu qu'on pouvait pop un peu partout, genre dans une forêt et tout. J'aurais kiffé la forêt. Mais ça ne marchait pas, en fait, avec mon perso. Au sud du continent d'Aldenar, s'étend une région désertique, le Tanalan. C'est là que se dresse la cité-état commerçante d'Ulda, où les fortunes se font et se défont. Ok.
Le jeu bug pas, by the way, avec mon VTuber. La ville a accumulé de telles richesses grâce à ses ressources minières qu'on l'a surnommée... Coucou Ellie, coucou Aden. La cité d'or. Ah, j'ai envie de chanter tout d'un coup. Comment ça va, Aden? Comment ça va, Ellie? Aujourd'hui, une aventurière s'apprête à pénétrer dans l'enceinte de cette splendide impeccable. Métropole. Nice, merci. Une âme courageuse, encore ignorante de son formidable destin. Putain, comment je suis minuscule! Nos chemins se séparent ici, l'ami. Je suis pas ton ami. Ça va. Esteban? Ah, Esteban, vous connaissez du coup Eddie, j'imagine. Ça va? Bah, ça va, Aden, et toi? Je vais livrer mes marchandises dans les marchés de la ville et je repars de suite. Ok. Tiens, un petit cadeau d'adieu pour te remercier d'avoir été une compagne de voyage agréable. Eh ben, donne-moi le fric. Enfant du soleil, tu parcours la terre, le ciel, cherche ton chemin. C'est ta vie, c'est ton destin. Mais je vais pas continuer parce que je chante mal. Mais t'as compris la vibes. Mais j'y pense, je ne t'ai pas demandé ton nom. Bah, peu importe maintenant, j'espère que tu deviendras une aventurière célèbre, histoire de me vanter de t'avoir connue à tes débuts. Oh, le profiteur! Il cherche les cités d'or. Ah, une femme dont le nom restera gravé dans l'histoire d'Eorzea. Mon correcteur, j'ai envie de l'éclater, mais non. Et c'est ici, à regarde, elle est trop belle. Que commence son épopée. Yes, c'est moi, wesh. Bon, du coup, vous avez compris, j'ai pris cette classe-là parce que forcément, je suis une tortue, du coup, j'avais pas trop choix de... J'ai hésité avec le Neko, mais ça avait rien à voir avec ma perso, enfin, du coup, bah... Voilà. Du coup, je suis une espèce de dragon-tortue, on va dire ça comme ça dans le jeu, ok? On est là, on peut faire avec les moyens du bord, y'a pas de soucis. Y'a pas de soucis, y'a pas de soucis. Ouah, c'est beau! Ouah! C'est trop beau! J'avais jamais vu cette ville, parce que moi j'avais vu que le début d'une aventure dans les bois, genre. Le nécro? Hein? Ah oui, ça va, je joue à League of. Tout va bien. Oh! Le nécrophile? Hein? Attends! Quoi? Attends, qu'est-ce qui se passe ici? Vous dites quoi, vous? Qu'est-ce qui se passe dans le chat, là? Vous êtes fous? Attendez. Content de voir le jeu. Attends, peut-être ça va me donner envie. Mais, mec! FF, te pose pas de questions. C'est clair que c'est moins classe pour le coup. De quoi c'est moins classe? Attendez, je comprends pas ce que vous me dites. Je comprends rien! Avec tes amis, tu recherches tes dents. Bon, j'arrête. À mes 39 ans, c'est toute mon enfance. Mais non, mais c'est... Pourtant, j'ai 22 ans, hein. Bientôt 23. Non. Oh non, j'ai 21 ans, bientôt 22. Mon Dieu, quelle horreur. Je connais, t'inquiète. Attends, tu as parlé de nécro? Non, j'ai pas parlé de nécro. Mais Julien, il t'arrive quoi? Julien. What the fuck? Dis, toi, par ici. Oui, moi, qu'est-ce qui se... Oh, il... What the fuck? Il est stylé. Oui, toi, t'es une aventurière, non? Oh, regarde-toi, ouvrir les yeux grands comme des soucoupes. Ah, pas comme mon VTuber. Hein. T'es nouvelle ici, ça se voit. Et ouais, ma gueule, je suis toute nouvelle. Je suis une petite noob. Je m'appelle Huit Mondes et mes affaires, c'est de connaître celles des autres. Ah, oh, la commère! Si, t'as dit nécro. Hein? Sérieux? What the fuck? Comment ça, j'ai dit ça? Que dis-tu de quelques renseignements? C'est gratuit la première fois si tu promets de faire appel à moi le jour où tu auras besoin d'un informateur. T'es mal beau gosse, il fait trop le mec. Elle a bien dit nécro. Mais je sais plus ce que j'ai dit. Je sais plus ce que j'ai dit. Bon, attendez, avant de faire le... Merde, comment... Ah, le tuto, voilà, je vais régler ma cam parce que ma cam fait de la merde. Attendez. Ces lunettes, non mais là, les lunettes sont incroyables. Genre, c'est un truc de fou. Alors attendez, faut que je règle mes yeux. Parce que mes yeux partent en couille et ça commence à...
J'arrive pas. Attendez. J'ai un problème. Voilà. Touk, touk, touk. Voilà, voilà. Attendez, non, j'ai pas fait. Je suis perturbée encore de tout à l'heure, hein, les gars. Vous m'avez détruite au follow, là. Je suis complètement perdue. Faut le savoir. Je suis au bout de ma vie. Du coup, il faut que je regarde mon gestionnaire de stream. Parce que c'est pareil, le gestionnaire de stream est complètement buggy. Vous avez tout cassé. Vous avez tout cassé. C'est terrible. Hop. Normalement, je vais vous voir. Je dis bien normalement. Si je vous vois pas, pas de panique. C'est parce que c'est normal. Pas du tout. Pas du tout. Du coup, le tutoriel du jeu va commencer. Vous pouvez choisir votre mode de jeu. Moi, je joue au clavier souris, mon pote. Pardon. Du coup, se déplacer, ok. Sauter, bon, ok, c'est dans tous les jeux pareil. Hein, Oh là là, il va y avoir plein de trucs au début. Je vais être paumée. Vraiment, je compte sur vous si vous connaissez le jeu pour m'aider. Hein. Parce que vraiment, je vais être perturbée, là. Les guildes. Les guides. Oh. Ok, c'est bien. Avancer. Zoomer. Et ok. C'est le mémo, du coup. Oui, 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 c'est le mémo. Je sais pas qui. Attendez. Oui, ADN. Oui, c'est le mémo. Oui, oui, oui. Du coup, faut que j'aille où? Ok, faut que j'aille lui parler. Attendez, mais regardez. Ah, je peux pas voir ma perso. Ah, si. Elle est pas trop belle. Vraiment, elle est magnifique, cette perso. Connais pas du tout. Je viens en voyageur. Bah, bienvenue, parce que moi non plus, je ne connais pas ce jeu. Je l'ai jamais fait. Lancer une quête. Les personnages proposant des quêtes sont facilement reconnaissables grâce à l'icône. Ok. Faites clic droit. Clic droit, oui, on a dit clic droit d'œil. Wimond a quelque chose à vous dire. Ok. Je vais y jouer, c'est sûr, mais mec. Fonce. C'est vraiment pas du coin, hein. J'ai bon cœur, moi. Je peux pas laisser une étrangère errer dans les rues de la cité au risque de se perdre dans un quartier mal famé et de se faire voler. Ou pire, bah, tu sais, j'ai pas d'argent, je peux pas me faire voler plus que ça. En voyageur, non. Voyageur, lol. Hein? Envoyeur, oh putain, mais... Je suis perturbée. La première chose à faire pour toi, c'est d'aller t'enregistrer à la guilde des aventuriers en parlant avec Momodi. Oh, trop mignon. Elle se trouve à la taverne des sables mouvants. Ok. Monte juste les escaliers là-bas, franchis la double porte et tu y seras. Bonne chance dans tes aventures et surtout souviens-toi de Wimond, l'informateur sympathique qui t'a aidé gratuitement. Moi je me rappelle juste qu'il a des lunettes incroyables. Genre, truc de fou. Lunettes quand tu nous tiens, je te jure. Vous venez de commencer votre première quête, référez-vous à la liste des machins. Ok, lorsque vous acceptez une quête, la liste des quêtes apparaît à droite de l'écran, celle-ci vous permet... Ok, ouais. Bon, ça c'est un peu comme dans tous les mémos, j'imagine. Attendez, du coup... Oula, il va y avoir plein de trucs. Oula. Ok. Ça, on peut pas le réduire, ça me gêne. Ah, visiblement, je pense peut-être pas maintenant, je sais pas. Du coup, faut que j'aille où? Comment ça se passe? J'imagine que c'est ce truc-là, là. J'imagine, je ne sais pas. Attendez, ça va peut-être un peu trop zoomé. C'est ça? Ah, ça a l'air d'être ça. Je sais pas comment on sprint. Je sais pas si on peut sprinter, en fait, tout court. Lorsque vous remplissez tous les objectifs d'une quête, vous recevez une récompense. Celle-ci peut prendre la forme d'un point d'expérience de guild ou encore d'objet. Ok. C'est toi la madame. Je me suis trompée de clic encore. Mais attendez! Mon VTuber, il fait de la merde! Excusez-moi. J'ai coupé la cinématique. Bonsoir! Bonsoir madame. Oh, elle est trop choupie! Si vous êtes à la recherche de la guilde des aventuriers, vous adressez à la bonne personne. Je m'appelle Momodi et je suis la tenancière de cet établissement. Je suis également à la tête de la guilde des aventures d'Ulda et je m'occupe en particulier de la bleutaille comme vous. Super. Eh bien, m'en prends. Quoi?
où vous finirez tous par mettre les pieds là où on ne veut pas de vous. Ok. Chez les Amalja, par exemple, cette tribu d'hommes bêtes harcèle la cité depuis toujours, et croyez-moi, vous ne voulez vraiment pas croiser leur route. Ils sont méchants. Comme si ça ne suffisait pas, l'empire de Garlemald se fait à nouveau menaçant. Je vais galérer à lire les mots, hein. Vraiment, je suis désolée. Oh, c'est trop mignon, des décos! En apparence, la ville danse et fait la fête, mais ce n'est qu'un masque pour cacher son attitude, non? Son inquiétude, voilà. Il y a 5 ans, dans Dalamud, quand Dalamud a explosé et libéré cet immense dragon noir, qui a tout brûlé sur son passage. C'est quoi ce bruit? Nous avons tant perdu en l'espace de quelques instants. Je sais pas ce que c'était ce bruit, je crois que c'était dans le jeu. La région de Tanalan, a subi d'importants dégâts, mais étrangement, personne ne semble se rappeler précisément de ce qui s'est passé. On pourrait croire que les gens se rappelleraient une tragédie pareille, n'est-ce pas? Mais non, c'est comme si un brouillard nous embrumait l'esprit. Il y a tout de même une chose dont nous nous souvenons. Les héros qui se sont battus pour sauver Eorzea. Eorzea, putain, je suis désolée, je sais pas lire, c'est terrible. Pour une terre qui n'était pas la leur. Nous savons qu'ils étaient là, mais leur nom, leur visage nous échappent. Ces souvenirs-là sont aussi vagues que ceux du fléau. Lorsque nous tentons de nous les remémorer, nous ne voyons que des silhouettes nimbées de lumière. Pour cette raison, les gens ont fini par surnommer ces héros guerriers de la lumière. Trop stylé. Trop stylé. Alors vous voyez, nous savons ce que les aventuriers ont à nous offrir. Les personnes comme vous sont les bienvenues dans notre paix cité. Ah, me fait coucou avec un pouce. Ah, en échange de votre aide, la guilde des aventuriers ne ménagera pas ses efforts pour vous apporter son soutien. Ok. Vous m'envoyez ravi. Avec chaque nouvel aventurier en ville, l'angoisse des habitants face aux problèmes dont je vous ai parlé diminue. Des citoyens rassurés travaillent mieux, dépensent plus et trouvent même du temps pour se quereller. Tout ça, c'est bon pour l'économie et une Ulda joyeuse et prospère signifie plus de clients pour les sables mouvants. T'as tout compris, la dame. Bon, il ne reste qu'à remplir quelques formalités et vous ferez officiellement partie de la guilde. Pourriez-vous apposer votre nom ici? Nous en avons besoin pour vous donner du travail et pour rédiger l'épitaphe sur votre tombe si le pire arrivait. Ah bah. Ça, c'est fort sapintique. Oh là là. On apprécie. Dairy Zelda. C'est original. Oui, c'est moi. Très bien, Daéris, vous êtes désormais... Hii, pitié, les tous m'en soient témoins, je jure vous rendre l'argent bientôt. Rendez l'argent! Il y a un proverbe oriental qui dit que même le dieu de la destruction pardonne jusqu'à 3 offenses. Malheureusement pour toi, c'est la 4e. T'es, c'est fait un peu cher, quoi. Pitié, pitié! Eh bien, encore une nalgarade. Ça arrive souvent, ne faites pas attention. Vous ne risquez rien si vous évitez de perdre l'argent d'autrui. Bah, on va essayer. Si vous avez besoin de conseils, je suis là pour vous. Cela dit, ne venez pas m'embêter au moindre pépin. Par contre, je suis toujours prête à écouter vos problèmes amoureux. Mais c'est que des commères dans cette ville, j'ai géré, hein. En tout cas, bienvenue à Ulda. Merci, madame. Prenez un petit moment pour souffler un peu, et je vous apprendrai ensuite 2-3 choses sur la cité. Ok. Si tu veux, madame, si tu veux. Bienvenue à Ulda. Ok, quête accomplie. Voilà, première quête. Ok, alors attendez, je règle un petit truc. Encore une fois, vraiment, il n'y a pas de stream où je fais pas n'importe quoi avec... Merde. Que ce soit mon VTuber ou n'importe quoi, il y a toujours un problème, les gars. Toujours. Juste, alors, wait. Réinitialiser. Hop. Ok, normalement, attendez. Tac. On va dire que ça passe. Pardon. Alors, vous faites partie des premiers... Alors, vous avez fait vos premiers pas, ok. Oh non! La musique de FF! Oh non, j'adore. C'est quoi ça? Attendez, parce que... Quête importante. Les quêtes importantes qui permettent de faire avancer la trame principale du jeu se distinguent par leur icône en forme de météore. Accomplissez-les pour découvrir les mystères qui entourent Eorzea. Ok. Accepté. On va voir ce qu'elle a encore à nous dire, cette madame.
Avant de foncer tête baissée dans l'aventure, j'aimerais que vous vous familiarisez avec votre splendide... avec notre splendide cité. Croyez-moi, c'est pour votre bien. Je vais me faire défoncer, c'est ça. Tout d'abord, vous devriez aller placer... aller à la place, oh, de l'Éthérite. Elle se trouve à l'ouest de cet établissement. Vous devriez apercevoir rapidement un énorme cristal flottant, c'est l'Éthérite. Les Éthérites permettent de se déplacer d'un point à un autre instantanément. Il faut d'abord s'harmoniser avec, bien sûr. Ce n'est pas bien compliqué, cela dit, il suffit juste de les effleurer. Le mieux à faire ensuite, c'est d'aller faire le tour à la guilde des pugilistes qui se trouve au mirage de Platine. Platine ? Bon, je sais plus. À moins que vos points ne soient là pour décorer. Parle meilleur. Ça ne peut pas vous faire de mal de vous entraîner avec des professionnels. Pour finir, vous allez faire un tour au marché de l'aventure du Saphir. C'est le quartier marchand le plus fréquenté. On y vend des marchandises en provenance du monde entier. Vous n'aurez aucun mal à trouver des armes, des armures et tous les objets dont un aventurier a besoin. Gardez à l'esprit que l'argent peut tout acheter à Ulda. Le fric ! Les Uldiens ont peu de scrupules lorsqu'il s'agit de faire fortune, et les étrangères comme vous sont des proies faciles. Ils n'hésiteront pas à vous vendre des produits à des prix bien au-delà de leur véritable valeur. Je vais donc vous donner une lettre d'introduction que vous remettez à Cécéroga, leur mot, c'est trop dur, lors de votre visite au marché. Après l'avoir lu, il devrait être mieux disposé envers vous. Une fois ces trois endroits visités, vous pourrez vous promener à votre guise. Un dernier mot avant de vous laisser partir. Comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup d'Uldiens prêts à tout pour se faire des guilds. Ce qui veut dire qu'il y a aussi pas mal de gens dans le besoin. Nombreux sont ceux qui viennent ici avec des rêves de richesses plein à la tête, mais peu d'entre eux réalisent qu'un des meilleurs moyens pour le réaliser, c'est de commencer par se faire des relations. Faites savoir que vous êtes prête à aider ceux qui peuvent vous payer, et qui sait, quelques opportunités lucratives naîtront de votre bonne action. Hop. Ok. Ah, j'ai tapé mon ordi. Sur PS1, cette musique, on l'a chantée dans la cour de récré. Cela fait des années que j'ai pas écrit. Maintenant, j'ai deux enfants. Mon fils connaît Final Fantasy mieux que moi. Nostalgie quand tu nous tiens. Mais de fou. Ah ouais, vraiment, transmettre ça à ses enfants, ça doit être un truc de fou. Genre, vraiment, ce qu'on adore, ça doit être trop bien. Sachez également que le chef instructeur de la guilde, comme celui qui se tient à côté d'Otopa... Otopa sont toujours prêts à vous donner des conseils pour progresser. Voilà, je vous ai tout dit, à vous de voler de vos propres ailes, passez quand même me voir de temps en temps. Bien sûr, bien sûr. Je passerai te voir, madame la commère. Pas de soucis. Attends, il y a moyen de dégager ça. Ah, voilà le moyen de dégager ça. Alors. Du coup... j'ai fait, comme je vous ai dit tout à l'heure, le début d'une aventure avec une personne sur YouTube. Je sais plus le nom. Mais c'était pas dans le même endroit. Juste, du coup, je sais à peu près les tips du début, d'après ce que je me rappelle. C'est pas sûr que je me rappelle du tout, mais voilà. Alors, le menu principal permet d'accéder rapidement aux fonctions les plus utilisées dans le jeu. L'option personnage, par exemple, permet de voir diverses caractéristiques de votre personnage ainsi que son équipement. L'option journal, quant à elle, permet d'obtenir des informations relatives aux quêtes en cours ou achevées. Pour accéder aux différentes options de personnalisation, telles que l'attribution des touches, la configuration sonographique, blablabla... Ouais, ok, ça c'est tout ce qui est... début, quoi. Oui, et c'est un crack, je suis devenue un Playmobil dans un évier. Je suis un papa fier. Ouais, oui, ça doit être un truc de fou. Ok, donc dans un nuit de repos, ok, et là du coup, pour afficher la carte, cliquez sur l'icône déplacement au menu, du menu principal. Ok, vous pouvez également, ah m'a perturbé la fille qui a crié derrière, appuyez sur la touche M du clavier. Si je fais M du coup, ok, ça affiche la map, donc je sais pas où faut que j'aille, peut-être, non pas là du coup, là, non, là. Peut-être. Donc, du coup, niveau quête, ici on est des tortues, c'est ça? Exactement, tu es une tortue. Après, je sais pas si ça te convient, mais voilà. Ici, c'est les petites tortues. Qu'est-ce qui est quoi? C'est quoi ça? Enchantée, je suis le chef instructeur de la guilde chargé d'aider nos nouvelles recrues. À chaque fois que je vois une jeune aventure, ça me rappelle toujours mes débuts, c'était la panique. Je suppose que c'est pareil pour vous, non? Oh,
Oh, il me fait chier, lui, avec sa lyre, là. Oh. Mais, oh là là, des tortues. Oui, des tortues. Ok, ça, on va être mangé. Ok, ici, à Eorzea, on appelle les gens comme vous des novices. Certains vous envient parce que vous êtes encore libre de pouvoir décider de votre destin. Une infinité de possibilités s'offre à vous. Mais la guide est consciente que l'infini... Eh, franchement, il me stresse. Casse-toi. Il est chiant. Il est très chiant. Blablabla, j'ai la flemme de lire. Laisse-moi. Non. Tais-toi. Je sais pas qui t'es, mais arrête. Tu me détruis les oreilles. Je connais cette musique, c'est Zelda, je crois. Je sais pas, mais il me casse les oreilles. J'aime beaucoup les tortues, c'est mon deuxième animal préféré derrière les dragons. Ah. Mais je vais bien t'aimer, toi. Vive les tortues, vraiment. Meilleur animal. J'adore. C'est pour ça que vous vous appelez les tortues. Mais voilà. Mais oui. Mais oui, mais oui. Bon, du coup, je suis perdue. Je sais pas, fallait que je reste là-dedans. Les gars, ça a commencé. J'ai une fâcheuse tendance à me perdre dans tout ce que je fais. Ok. Vous êtes au courant maintenant. Vous allez pas me... Hein. Si, toilette princesse, si je ne dis pas de bêtises, mais c'est super. Ouais, c'est super. C'est juste qu'il me casse les oreilles. Bon, du coup, c'est pas là. Hein. C'est pas là. Par contre, j'ai vraiment un problème avec mon chat. C'est chiant. Est-ce que... Attendez. Je me fais spammer. Au secours. C'est quoi le 1? Ah, cible invalide. Invalide. Putain. Ah, d'accord, attendez. Je me concentre. Ok, premier objectif, c'est ça, je crois. Donc, on va y aller. Yes, vive les tortues. Oui, vive les tortues. Wouh. Ah oui, les dragons me font beaucoup penser à la magnifique Daenerys. Ah, Daenerys. La craque. Bon, attendez, je réponds à mon papa parce qu'il me spamme un petit peu de messages. J'en ai pour 2 secondes et demie, hein, vous inquiétez pas. Merci, hop. Voilà. Alors, bonsoir aventurière, c'est moi, Wimonde, l'informateur. Ah ouais, encore lui. Daenerys, tu connais pas Shikoxi? C'est dans Dragon Ball. Non, pas du tout. Game of Thrones. C'est dans Game of Thrones. Tu as la mémoire courte, dis donc. Sinon, tu commences à t'habituer à Ulda. Pas du tout. Ça tombe bien, car j'ai un petit service à te demander. Tu veux bien porter cette enveloppe vierge à Josias à l'accueil de la guilde des pugilistes. Dans notre cité, rien n'est plus important que le renseignement, tu sais. Si tu fais ça pour moi, je te garantis que tu ne le regretteras pas. Ok. Bon, j'imagine qu'il est trop tôt pour parler au marchand, là. On a tout notre temps, mademoiselle Elda. J'aime bien être très gentille. Mais si. Après, ben voilà, c'est un MMO, donc il faut être posé, quoi. Le temps que je me mette un petit peu dans la sauce. Puis ouais, surtout pour répondre à mon papa, c'est important. Mais voilà. Bon, du coup, je suis où? Ah, ok, c'est ça, la Térite. Faut que je me frotte à elle. Comment je suis censée me frotter à elle? Ok, je me suis trompée de touche. Ça commence. Non, j'ai jamais regardé Game of Thrones. Bah dis-toi que j'ai regardé que la saison 1. J'ai bien aimé, malgré les scènes un peu olé olé, j'avoue. Du coup, j'ai skip toutes les scènes qui me plaisaient pas trop. Et j'avais bien aimé, mais j'ai jamais continué parce que j'ai jamais eu le temps. Mais faudrait que je m'y mette. En vrai, c'est vachement stylé, je trouve. Dragon, tout ça, stylé. J'aime bien. Bien le bonsoir, aventurière. Vous êtes ici sur les conseils de Momodi. Qui me parle? Oh, il est tout petit! Parfait. Nous allons pouvoir discuter du tarif de l'harmonisation. Ce sera simple. Une centaine de milliers de guilds. Mais quoi? C'est une affaire vraiment. Mais t'es mal les arnaqueurs! Il est tout petit, il arnaque les gens! Ne tirez pas une tête pareille, je plaisantais. Les petites nouvelles comme vous sont si faciles à berner, ce serait dommage de ne pas en profiter pour rigoler un peu. Pas drôle. J'ai pas d'argent. Allez, pour me faire pardonner, je vais vous expliquer comment fonctionnent les éthérites. Ce sont des cristaux qui renferment le pouvoir de l'éther. L'éther.
putain qui permet de voyager sur les longues distances presque instantanément. Vous avez peut-être entendu parler des sorts de rapatriement et de téléportation. Ils utilisent eux aussi les éthérites reliés au flux éthéré. Trop de éthérites, éthérées, truc. Je suis perdue. Elles existent un peu partout en Eorzea et sont donc indispensables à toute aventure qui se respecte. Je vous conseille donc de vous harmoniser avec toutes les éthérites que vous verrez si vous voulez faciliter vos déplacements. Ok. J'espère que mes explications ont été suffisamment claires. Mais si vous avez besoin de... Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à venir me les poser. Je suis désolée, je parle du nez. Je sais pas pourquoi. J'ai envie de connaître un peu plus Zelda. Raconte toute ton histoire. Attendez. Excusez-moi. Alors, ben, mon histoire. Je suis une tortue. J'ai pas vraiment de lore, hein, si c'est ça que tu demandes. Mais en gros, je suis une petite tortue qui s'est, on va dire, perdue. Un peu comme la petite sirène sur le monde des humains. Et j'ai décidé de faire du jeu vidéo sur Twitch. Et me voilà. Voilà, tout simplement. Si t'as des questions, n'hésite pas, hein, des questions plus ciblées, parce que je t'avoue que raconter un peu comme ça, c'est un peu compliqué. Mais si t'as besoin, n'hésite pas. Alors, le sort de rapatriement vous permet de retourner immédiatement à l'éthérite que vous avez enregistré comme point de retour. Pour l'utiliser, cliquez sur l'icône déplacement. Ok. Vous ne pouvez enregistrer qu'une seule éthérite comme point de retour. Pour ce faire, effectuez un clic droit sur l'éthérite de votre choix. Le sort rapatriement ne consomme aucun PM. Néanmoins, un délai de 15 minutes est nécessaire. Ok. Bonsoir, coucou Spider, comment tu vas? Les jeux vidéo, oui, les jeux vidéo. Attendez, il faut encore que je règle ma cam. J'ai l'impression que c'est un peu de la merde là ce que j'ai fait au niveau de mon avatar. Il ne me capte pas bien. Attendez. Ah! Mais peut-être comme ça, c'est mieux. Mais par contre, vraiment, j'ai un souci de chat. J'ai vraiment un souci de chat, c'est terrible. Je vais essayer de le mettre avec mon téléphone. Peut-être que ça sera mieux, mais parce que du coup, c'est très galère pour vous parler. Je suis obligée de refresh à chaque fois le chat. C'est un peu chiant. Gestionnaire de stream. Allez, faut que ça marche là, parce que c'est pas le moment de pas marcher. Merde. Ça va, tranquille et vous? Bah ça va, merci beaucoup Spider. Tu fais une aventure dans le jeu vidéo, ça serait une superbe aventure. Mais ouais. Mais ouais. Non mais plus sérieusement, genre... j'ai commencé quoi, le stream il y a 2 mois je crois? Un truc comme ça. Et du coup je suis toute nouvelle et j'ai connu le VTubing de façon un peu what the fuck. Attendez, vraiment faut que je règle mon perso parce que là il est en train de faire une crise d'hypoglycémie ou je sais pas quoi, mais c'est un peu chiant. Attendez, mais regardez où est-ce qu'il est mon perso, il est complètement perdu. Hop, merde hein, fais un effort. J'ai des problèmes de tortue. Voilà. Mais du coup, oui, j'ai connu le VTubing de façon un peu what the fuck, c'est-à-dire que je savais pas que le VTubing existait. En gros, j'ai juste voulu stream et ne pas montrer ma tête, et on m'a dit, bah tiens, pourquoi fais-toi un avatar, genre. Et après, j'ai compris que c'était vraiment un engouement, un truc de fou, genre. Et qu'il y avait pas mal de VTubers et tout. Enfin, j'ai... Truc de malade. Et c'est une commu plutôt sympathique. Et j'adore. Du coup, voilà. Un petit peu comment j'ai connu tout ça. Et vraiment, le Twitch game, je ne connais rien. Genre, vraiment, tout ce que vous voyez, genre... comment c'est réglé, etc. mon stream, c'est pour ça que c'est l'anarchie, parce que j'ai fait ça à l'aide de quelques personnes, oui, mais c'est un peu compliqué pour moi de tout régler, tout ça, parce que je n'y connais absolument rien. Je suis une tub, voilà, je suis une tortue à 2 QI, si tu veux, et du coup j'ai un peu de mal avec tous les réglages ordinateur, tout ça, tu sais, je suis une tortue, j'ai vécu toute ma vie dans l'eau, du coup les ordinateurs, machin, c'est pas mon truc. C'est normal, c'est le début, tu vas t'habituer après, tu as vraiment adoré. C'est ça que t'as voulu dire? Mais du coup, merci, c'est gentil, mais ouais, du coup, je me doute que c'est les débuts et que ça, c'est juste le temps de se mettre en place. Alors, Jaja Kuta, qu'est-ce qui vous amène ici, mon ami? Vous cherchez du travail, un petit boulot pour remplir un peu votre bourse? J'aimerais bien, j'ai pas de sous. Son cerveau avancé aussi vite qu'une tortue. Avance aussi vite qu'une tortue. Bon, ça va, je... quand même. En vrai, j'ai extrêmement de mal à faire les conversations et tout, c'est assez difficile.
Eh bien, votre jour de chance. C'est votre jour de chance. La guilde des pugilistes vient tout juste de me passer une importante commande de gants et de harnais pour leur combat d'entraînement. Mais regardez, je dors encore! Alors que non, je suis en train de lire. Attendez. Mais ton QI est très élevé, vers 200 minimum. Je pense pas. Honnêtement, c'est gentil, hein. Mais je pense pas. Mais Attendez. Vraiment, je ne peux pas lire tranquillement mon jeu, que j'ai l'impression qu'elle dort. C'est terrible. J'ai vraiment des problèmes ce soir. Hein. C'est alors que c'est pas du tout le soir à avoir des problèmes, puisque vous êtes beaucoup quand même à me regarder. Putain. Alors. Oui, c'est ça, tu vas vraiment adorer. Bah, franchement, j'espère. Merci Spider pour ton prout. On change pas une équipe qui gagne. Qu'en dis-tu, amie aventurière? Si vous apportez 5 pots de musaraigne agressive, je vous récompenserai comme il se doit. Vous pourrez trouver ces créatures dans le Tanalan central. Ok. Ça me donne déjà mes trucs, genre. Ça donne déjà... Faut que j'aille où? Faut que j'aille là? Attendez. Je pense. Oui, ça a l'air. Oui, effectivement. Ah, d'accord, c'est lui, machin. Oui, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Oh, Wimond vous a demandé de me remettre cette enveloppe. C'est ma guilde, en fait, ici. C'est l'endroit des... Wouh! trop bien, cette musique. Merci, Juju, pour ce moment de réveil. Oui, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Wimond nous a demandé de remettre cette enveloppe, blablabla. Échanger. Ok. Il travaille vraiment très vite, sa réputation n'est pas usurpée. Voyons voir ce qu'il a découvert. Le client n'a pas les moyens de payer, vaut mieux refuser la mission. Ma première impression était donc la bonne. Ah, vous aimeriez savoir de quoi il s'agit. Comme vous nous avez aidé, je peux vous le dire. C'est le contenu d'une enquête sur un client désireux de nous confier une mission de protection. Nous prenons ce genre de précautions car nous ne pouvons pas nous permettre de mettre en danger nos hommes bénévolement. Voyez-vous? Après tout, les affaires sont les affaires. Effectivement, je suis d'accord. Faut que je m'habitue à tes alertes son. Pourquoi? Elles sont trop fortes? Si tu veux, je peux les baisser un peu. Hein. Il y a moyen qu'elles soient beaucoup trop fortes. Bonsoir et bienvenue à la guilde des pugilistes. Oh, je vois que vous pratiquez déjà la discipline. Est-ce que vous êtes venu en apprendre plus sur notre établissement? Dans ce cas, laissez-moi vous dire que cet endroit accueille tous ceux qui désirent entraîner leur corps et leur esprit pour maîtriser le combat au corps à corps. Vous savez peut-être, mais l'art d'utiliser ses poings et ses pieds pour se battre n'est pas spécifique à Ulda. Oui, c'est ça. Des techniques variées ont effectivement été développées un peu partout à Eorzea. Vous voyez? Oh, merci pour le follow! Merci Atsu, bienvenue sur le stream, merci beaucoup, ça fait plaisir, merci. On a pris quand même 13 follow en début de stream, les gars. C'est un délire, c'est un truc de fou. Merci. L'organisation des combats au Colisée a cependant amené